Moi, quand je serai grand, je serai explorateur. J'irai découvrir de nouveaux espaces pour construire la ville du futur. Ah non, mais pas comme ça. La conquête de l'espace, c'est pour encore plus tard. Moi, je vous parle de l'océan et de cités flottantes. Je serai un habitant de la mer, un mérien. Et oui, comme on sera de plus en plus de milliards sur Terre, faudra trouver un peu de place. Alors sur mer, comme sur Terre, on aura de nouveaux gratte-ciel super beaux. Mais en plus, dans l'océan, on aura des gratte-mer. À la maison, il y aura plein de nouveaux gadgets. On fera des photos avec ses lunettes. Et si on veut un truc, on le fabriquera tout seul avec son imprimante 3D. Et puis, il y aura des écrans partout. On sera relié au monde entier. Carrément plus besoin de bouger. Tu as raison. L'avenir sera hyper connecté. À la maison, par exemple, on n'aura plus besoin de faire les courses. Le frigo établira la liste et l'adressera au magasin. Et on ne travaillera plus forcément au bureau. La ville de demain verra naître des espaces de coworking plus proches de chez nous, partagés par des entreprises très différentes. Mais aussi des lieux de vie et de travail accessibles dans les gares. Tout ça va aménager considérablement les temps de transport. Heureusement, car si nos habitudes de déplacement ne changeaient pas, l'avenir finirait par n'être qu'un énorme embouteillage. En fait, on combinera des tas de moyens de transport différents et propres. Transport en commun végétalisé, téléphérique. On pourra faire du vélo au-dessus de la ville et partager des véhicules électriques. Car demain, notre ville sera belle, harmonieuse et agréable à vivre. La nature sera présente partout, mais pas simplement pour maquiller la ville. Ce sera une nature utile. Car la qualité de l'air va devenir la grande priorité. Regardez tous ces espaces verts. L'agriculture est au cœur de la ville. Il y a des fermes urbaines, des jardins partagés sur les toits où l'on peut cultiver des légumes. Oui, les bâtiments seront verts et intelligents. Ils produiront leur propre énergie et communiqueront entre eux pour se l'échanger. Ils pourront favoriser la mutualisation des places de parking ou informer sur la disponibilité des espaces communs. Ah oui, elle est jolie, cette ville du futur! J'aime bien. Mais si on se déplace moins avec toutes ces technologies, on va moins voir les gens pour de vrai, non? On va se sentir un peu seul. Tu n'as pas à t'inquiéter. Au contraire, la ville de demain va être pensée pour favoriser et développer la proximité. Cela pourra passer par des communautés de voisinage qui faciliteront l'économie de partage, créeront des liens nouveaux entre les gens et permettront aussi de dépenser moins, ou en tout cas différemment. La ville de demain encouragera la mixité en rassemblant les logements, les bureaux et les commerces et réunira les gens de milieux sociaux ou de générations différentes. Les logements seront adaptables pour permettre aux gens de bien vieillir chez eux. De nouveaux services, comme les conciergeries de quartier ou des lieux de rencontre et d'échange de savoir-faire, les Fab Labs, vont participer aussi au mieux vivre ensemble. Et c'est tout ça, finalement, qui va insuffler du bien-être et de la vie au cœur de la ville.